Bonjour à tous. Alors, regardons qui est là pour le moment. Je vois Laure C. Bonjour Laure. Je vois Michel. Michel Rémy. Bonjour Michel. Michel aussi est là. Sinsitu est là. Bonjour Sinsitu. Victoria est avec nous aussi. Bonjour Victoria. On va commencer et puis on va voir si les autres arrivent en cours, comme d'habitude. Meron Teka est là. Bonjour Meron. Nous espérons que vous allez bien. Robin est là, bonjour de Hawaï. Nakazi est là avec nous aussi. Isobel est là. Et Isobel, nous savons tous qu'elle est très très rapide. Walid est là aussi. Bonjour Walid. Annabelle Nouvelle est là, bonjour. Joseph est avec nous aussi. Bonjour Joseph. Monica aussi avec nous. Bah écoutez, nous allons commencer, si vous voulez bien, avec cette petite chose. Écrivez-moi une phrase, s'il vous plaît, pour nous dire si il s'est passé quelque chose de spécial dans votre pays hier. Très bien, vous avez une petite minute. Merci. Alors, Ashley, bah oui, Ashley, je vais essayer de ne pas faire d'erreur de clic cette fois-ci. Je suis désolé pour hier, Ashley. Mais bonjour en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Virginia est là aussi, bonjour. Aral Salim est avec nous, bonjour. Yulia est ici aussi, bonjour Yulia. Tenzin, bonjour Tenzin. Irene est avec nous, bonjour Irene. Save the Best est là aussi. Et Gourpret est avec nous d'Inde. Bonjour, allez-y, faites votre phrase s'il vous plaît. John Wisket nous rejoint aussi. Bonjour John, vous pouvez participer au cours. Et Rory est là aussi. Bonjour Rory. Allez-y, écrivez une phrase s'il vous plaît. Romil nous rejoint aussi. Bonjour Romil. Alors, regardons les premières choses que vous m'avez écrites. Victoria nous dit « Je ne sais pas parce que… » Et vous arrêtez là, Victoria. Non, non, non. Alors, Victoria, faites attention. Quand on utilise la structure, vous voulez utiliser le verbe « savoir ». Et donc, vous avez bien corrigé… conjugué le verbe « savoir » et donc vous avez écrit « c'est ». S-A-I-S. Mais vous devez quand même le mettre au présent et donc vous le laissez comme ça. Donc vous dites je, vous laissez J-E, ne sais pas, parce que, et après c'est mystérieux. Gourpret. Alors Gourpret, il y a Gourpret, the idea, I will do it in English just for you, but the idea, and we agreed on that with the others at the beginning of this series, it would be to try to speak only French for this series of live. So this is the reason why I don't use English in that case. But then I was thinking, and probably I will start another series of live at the same time where I will speak English to explain the things. But this one, it's only in French.
And try. Try. I'm pretty sure that you can make it. It's a bit difficult at the beginning, but I mean, you can really, really make it. Alors, ensuite, Julia qui dit ce qui se passe. Faites attention, ce qui se passe, Julia. Avant le passe, vous mettez ce. Dans mon pays, c'est rien, mon Dieu. Michel, hier, dans mon pays, j'ai fait un anniversaire de ma mère. D'accord, ben voilà. Eh ben ça, c'est bien. Une actualité, Ashley, on a appris que la quarantaine se termine dans 7 jours. Youhou. Parfaitement écrit, Ashley, très bien. Isobel, rien de spécial ne s'est passé hier dans mon pays. D'accord. Berilla nous dit « Bonjour, hier j'ai tondu la pelouse ». Ben voilà, il y a des choses qui se passent dans vos pays. Rory, aujourd'hui c'est normal et une bonne journée. Faites attention Rory, journée c'est féminin. Donc l'adjectif « bonne », vous allez l'écrire « b-o-n-n-e ». Nakazi, hier dans mon pays, les citoyens ne font pas respecter les règles du confinement. Oui, utilisez peut-être le verbe respecter au passé composé. Les citoyens n'ont, donc N'ONT, pas respecté. Et respecter, vous allez mettre le participe passé avec accent aigu, mais pas ER, Nakazi. Mais c'était bien. Tenzin, hier en France, nous avons été à la maison. À cause du confinement. Eh ben oui. Victoria. Parce que je suis resté. Je suis enfermé chez moi. Victoria, le verbe c'est. Enfin, oui, ici c'est un adjectif. Enfermé. E-N-F-E-R-M-E. Accent aigu. Et vous mettez le féminin. Et je ne peux pas voir de nouvelles. D'accord. John nous dit, I'm new to French, can I ask how to self-learn French, Vincent? Yes, John. So, the idea, as I explained, is not to really speak English in this live, because basically I want to only focus on French. But if you go to the channel, or if you go to my platform, frenchforme.net, you've got all the material that you need to learn on your own. D'accord? Merci. Alors, beaucoup de monde malade de corona, nous dit quelqu'un. Irène ou Irene nous dit, hier, mon pays a retourné travailler. Oui, est retourné travailler et j'ai commencé à aller à l'école pour le premier jour. Regardez, Irene, jour, c'est masculin, donc premier, vous allez mettre au masculin. Pas de E final, donc I-E-R à la fin de premier. Ice Cubes, bonjour. Kittle, ce qui se passe. Kittle qui continue avec les ceux qui hier. Annabelle, c'était très agréable à Melbourne hier. Souvenez-vous, Annabelle, Melbourne, c'est une ville et les prépositions qu'on utilise pour les villes, ou la préposition qu'on utilise pour les villes, c'est à. D'accord. Alors, Sin City. Nous dit, hier dans mon pays, 306 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Mon Dieu, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment terrible. Donc Rory nous dit, hier c'est la même. C'est vrai, ça se répète un petit peu. Bickert nous rejoint. Très bien, je regarde les autres. J'ai pris le petit déjeuner al fresco. Lorsi, vous devez utiliser le verbe prendre, mais au passé composé. J'ai pris. J'A-I. P-R-I-S. Finzark, bonjour Finzark, j'espère que vous allez bien. Ensuite, Ning nous dit, hier, je reste dans la maison. Oui, on va mettre au passé composé. Je suis resté à la maison. D'accord. Ensuite, Michel, la police a battu les citoyens qui n'ont pas respecté les lois concernant la séparation physique pour protéger les gens. Les agents de police étaient un peu trop enthousiasmés. Mon Dieu, mais c'est terrible, hein? Oh, ok, j'espère que c'était pas très très grave. Joseph nous dit, rien de spécial s'est passé parce que tout le monde est chez lui ou elle. On attend
le déconfinement la semaine prochaine. On a hâte de ce jour, par contre, on doit porter des masques, effectivement. Akanksha nous rejoint. Bonjour Akanksha. Bon, allez, on y va, on y va. Après, il y a des petites discussions entre vous. Ice Cubes qui nous dit rien de spécial, la quarantaine continue pour les enfants et pour les personnes âgées. Utilisez âgées, Ice Cubes. Je vais encore travailler. D'accord, bah écoutez, on travaille, et nous, on travaille avec quelques phrases, cinq phrases, si c'est possible, il faudra que je les trouve dans ma liste, et on va commencer donc avec une petite dictée. Je sais que certains adorent et certains détestent, mais c'est nécessaire. Et nous commençons avec la première phrase que j'ai trouvée. Attention, je vais lire la phrase deux fois. Première lecture. J'arrangerai tout pour cet après-midi. Deuxième lecture. J'arrangerai tout pour cet après-midi. Alors, je commence à voir vos réponses. Je vais mettre ici si ça fonctionne, bien sûr. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Regardez. Donc, ici, si nous regardons la phrase, le verbe c'est arranger. Alors ici, j'accepte deux possibilités. En fait, j'accepte le futur, c'est-à-dire comme j'ai mis. Et comme vous pouvez voir à l'écran ici, c'est le futur. Terminaison AI. Mais j'accepte aussi le conditionnel présent. Et je regarde en même temps, je crois que Rory avait écrit le conditionnel présent. Et je l'accepte aussi, hein, parce que phonétiquement, c'est la même chose. Donc, j'arrangerai ensuite tout. Ça, c'est pas un problème, je pense, pour la majorité d'entre vous, pour cet après-midi. Alors regardez après-midi, tenez, si, peut-être que ce sera plus clair si on fait comme ça. Voilà, si vous regardez votre écran, je l'ai changé, comme ça ce sera visuellement probablement plus clair. Cet après-midi, après-midi c'est masculin, c'est avec un accent grave après. Donc comme c'est masculin, on va mettre cet, c-e-t, donc la forme masculine qu'on utilise avec les voyelles. Alors, très bien. The Shy One, je ne comprends pas. Alors, The Shy One, c'est une dictée. Je dicte une phrase, vous écrivez la phrase. Attention, deuxième phrase. Première lecture. Tu ne t'arrêtes pas de manger. Deuxième lecture. Tu ne t'arrêtes pas de manger. Mmh.
Alors, Ashley pose la question, pouvez-vous faire la différence entre le conditionnel, donc présent, et le futur simple quand on parle? Quand on parle, le problème, Ashley, c'est juste pour la première personne, en fait. C'est-à-dire que, comme on voit ici, j'arrangerai, phonétiquement, c'est exactement la même chose. Donc, la technique, souvent, quand c'est oral, quand vous parlez, on va probablement, et si c'est la première personne, on va utiliser le futur proche. Je vais arranger tout pour cet après-midi. Là, c'est clair. C'est clair que c'est du futur proche. Si vous dites « j'arrangerai tout pour cet après-midi », il y a toujours un doute, parce que ça peut être le futur, mais ça peut être le conditionnel. Donc, à l'oral, pour éviter les problèmes, utilisez le futur proche. Je vais arranger, et là, ce sera clair. Voilà. Donc, regardons ici maintenant la phrase. Tu ne t'arrêtes pas de manger. Alors, faites attention, Annabelle Nouvelle, vous avez mis tu n'arrêtes pas de manger, mais en fait, l'idée c'était tu ne t'arrêtes pas de manger. Il ne faut pas oublier le T, parce qu'ici, le verbe, c'est le verbe pronominal s'arrêter. Hein. Je m'arrête, tu t'arrêtes. Et là, on va mettre la négation en plus. Donc, souvenez-vous, tu, sujet, ne, première partie de la négation. Et après, vous mettez le pronom et le verbe. T'arrêtes, et vous finalisez avec la deuxième partie de la négation, pas. Hein, donc, tu ne t'arrêtes pas de manger. Alors, on ne prononce pas le S, mais c'est un verbe du premier groupe. Hein, donc, quand vous le conjuguez à la deuxième personne, tu, bah normalement, vous mettez le S. Si vous oubliez le S, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est pas très très grave, ne vous inquiétez pas. Donc, tu ne t'arrêtes pas de manger. Alors, attention, la phrase suivante. Première lecture. Je n'arrive pas à vous comprendre. Deuxième lecture. Je n'arrive pas à vous comprendre. Et c'est Isobel qui est la première et qui nous écrit parfaitement la phrase. Je n'arrive pas à vous comprendre. Yulia qui continue, c'est magnifique. Yulia, petit accent si c'était possible sur le A, parce que c'est une préposition. Rory, c'est parfait aussi Rory, pas de problème. Méron, attention Méron, le E, vous enlevez le E, vous mettez l'apostrophe dans ne. Ok, sin situ, je n'arrive pas à vous comprendre. Akanksha, c'est bon. Je regarde les autres, je n'arrive pas à vous comprendre. I just called, c'est bon. Michel, c'est bon. Joseph, c'est bon. Finzark, c'est bon aussi. Victoria, je n'arrive pas à vous comprendre, c'est bon. Kittle, pas de problème. Annabelle, très bien. Tenzin aussi. Michel, Rémi, attention, c'était je nanana, je n'arrive pas, N. À vous comprendre. Ice Cube, je n'arrive pas à vous comprendre, c'est bien. Irene, je n'arrive pas à vous comprendre. Parfait, Irene, pas de problème. Nakazi, c'est bien. Ashley, d'accord, il discute. Ashley, Bickert, je n'arrive pas à vous comprendre, c'est très bien.
Alors, Rory. Oui. Ah, Rory pose la question, quand utiliser A avec l'accent et sans l'accent? Rory, avec l'accent, A, c'est la préposition. Hein? À l'école, à la maison, mais c'est aussi la préposition qu'on utilise avec certains verbes. Ici, arriver à comprendre. Donc, quand vous allez connecter deux verbes, on utilise une préposition. A sans l'accent, c'est le verbe avoir. Troisième personne du singulier. Il a, elle a, on a. Donc a sans accent, c'est juste le verbe avoir. D'accord? Alors ensuite, Uwama Oro, à Delphine, je n'arrive pas à vous comprendre, c'est parfait. Priyanka, je n'arrive pas à vous comprendre, c'était très très bien. Laurie C, je n'arrive pas à vous comprendre, c'est bien aussi. Ensuite, alors, Kiton pose la question, c'est quoi la différence entre tu arrêtes et tu t'arrêtes? Oui? Kiton, la différence, c'est la différence fondamentale entre les verbes, on va dire, normaux et les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Tu arrêtes une voiture, tu arrêtes un film, tu arrêtes quelque chose. La forme pronominale, c'est la forme réfléchie. Tu t'arrêtes, c'est tu arrêtes toi. Je m'arrête, tu t'arrêtes, il s'arrête, etc. La phrase suivante, alors attendez, je vais vous le mettre ici, comme ça vous pourrez comparer, mais c'était très très bien. Félicitations pour vous. Là, ben, franchement, c'était bien. Alors attention, la phrase suivante, première lecture. Je me suis assis à côté de la fenêtre. Deuxième lecture. Je me suis assis à côté de la fenêtre. Alors, c'est Ashley qui est le premier, mais il est complètement à côté de la phrase, Ashley. Qu'est-ce qui se passe? Il veut prendre des libertés. Alors, oui. Ensuite, Isobel, elle nous donne la bonne forme. Alors, attendez, il faut que je regarde parce qu'il y avait Yulia. Yulia qui écrit, je me suis assis à côté de la fenêtre. Ouais, Yulia, c'est presque parfait. C'est juste fenêtre avec un E à la fin. Fenêtre, tre. Alors oui, mais Ashley, c'est même si vous corrigez canette et fenêtre. Intéressant votre correction orthographique. Hein? Il y a des mots qui arrivent en premier. Canette arrive avant fenêtre. Alors, Rory, je me suis assis à côté de la fenêtre, d'accord, c'est bien. Oui, c'est l'autocorrection, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, regardons, attendez, je vais vous la mettre comme ça, ce sera plus clair ici. Voilà, peut-être que je vais changer de ligne, voilà. Donc, regardez ici, le verbe ici, donc c'est le verbe s'asseoir, donc c'est encore un verbe pronominal. Et là, on l'utilise au passé composé. Donc ça veut dire que quand on utilise les verbes pronominaux au passé composé, on utilise toujours être. Je me suis assis. Le me, encore une fois, c'est parce que c'est un verbe pronominal. Je me suis assis. D'accord? Ensuite, à côté. Alors, idéalement, avec des accents. Annabelle Nouvelle, attention. À côté et avec un accent à la fin, d'accord? TE accent aigu,
Michel Rémy, c'est la même chose, avec un accent aigu, ce serait formidable. Pour les autres, Bickert, c'est pareil, accent aigu, ou à Mahoro, ou à Delphine, avec l'accent aigu à la fin, de pour côté. I just called, faites attention, c'était pas à coûter. Phonétiquement, c'est très très près, très proche, mais c'est vraiment à côté, à côté. Donc, je me suis assis à côté de la fenêtre. Alors, Nakazi, I just called, save the best. Si vous mettez assise, c'est tout à fait correct. C'est la forme féminine. D'accord? Mais j'avais prononcé la forme masculine, donc assis. D'accord? Mais grammaticalement, c'est possible de mettre le féminin. Pas de problème. Ensuite, très bien, bah écoutez, je vois. Après, bon, bah c'est les petites discussions entre Ashley et Isobel. Berilla, je me suis assis à côté de la fenêtre. C'est parfait, Berilla. Très bien. Bon, bah écoutez, félicitations. Allez, peut-être une dernière phrase. Voilà. Première lecture. J'ai assisté à cette conférence. Deuxième lecture, j'ai assisté à cette conférence. Alors, c'est encore Isobel qui est la première et qui écrit, bah écoutez, parfaitement cette phrase, un magnifique passé composé avec les accents, le A avec l'accent, Julia. Alors attendez, je regarde parce que ça va très rapidement maintenant. Donc comme vous allez rapidement, je dois remonter. Faites attention, Ashley. Ashley, vous avez proposé, j'ai assisté, ER. Et ici, c'était vraiment le passé composé. Même chose, alors Julia, faites attention, ici c'est pas le présent, c'était j'ai assisté. Hein, j'ai assisté, donc c'était le passé composé. Alors tenez, je vais en attendant que tout le monde le fasse. Voilà, je vous mets la phrase à l'écran. Donc j'ai assisté, hein, à cette conférence. Akanksha, c'est bon. Priyanka, c'est bien. Rory, pas de problème. Tenzin, c'est bien. Meron, attention Meron, passé composé. J'ai assisté, E accent aigu. Ice Cubes, c'est bien. Attention Ice Cubes, assisté, pardon, non. Conférence, c'est féminin. Hein, et comme c'est féminin, vous allez écrire 7 au féminin. C-E-T-T-E. D'accord? I just called. C'est parfait. Attention, ouais, conférence. C'est pas confi, conférence. E accent aigu. Kittle, c'est bien. Faites attention, Kittle. J apostrophe. Hein, J apostrophe est. J'ai. Très bien. Donc, Julia a corrigé. Michel, c'est parfait. Claire Johnson, c'est bien aussi. Conférence, attention, c'est pas un accent circonflexe. Hein. C'est un accent aigu. Bickert, c'est bien. Attention, conférence. Bickert, Annabelle, ça va. Bon, je regarde les autres rapidement et puis on va passer à l'exercice suivant. Regardez, pour l'exercice suivant, eh bien, écoutez, prenez une petite minute et décrivez-moi cette photo en une phrase. Merci.
Alors, Kittle commence en nous écrivant « On doit toujours être ensemble pour tout le monde ». Oh mon Dieu, c'est magnifique. Faites attention, Kittle, quand vous écrivez « toujours hein, », vous allez l'écrire « T-O-U-J-O-U-R-S ». D'accord? Donc T-O-U-J-O-U-R-S, toujours. Victoria qui nous dit « c'est le monde entier ». Oui, souvenez-vous, Victoria, c'est, vous allez écrire C-E-S-T. D'accord? Michel qui nous dit « des poupées qui représentent les gens du monde vivent et jouent en paix ». Eh bien oui, hein, faut essayer d'être optimiste un petit peu, spécialement après l'histoire que vous nous avez donnée, Michel, les violences policières. Berilla, il y a 6 poupées et un globe. Voilà, une description très claire et efficace. Annabelle, tous les enfants du monde. Tenzin, les enfants des pays différents. Oui. Dans ce cas-là, vous allez dire, si vous le mettez avant, différents, mettez au pluriel, et on va dire des enfants de différents pays, Tenzin. Parce que vous avez votre adjectif qui est avant le mot, on va utiliser de et pas des, d'accord? J'avais fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. Ice Cubes, il y a les jouets devant le monde. D'accord, très bien. Isobel, il y a des petites personnes qui sont en... Alors, qui sont main dans la main, pardon, devant le globe. Parfait, Isobel, pas d'erreur, c'est très bien. Michel Rémy, cette photo, c'est à dessiner des animaux. Ils jouent ensemble. Des animaux. Est-ce que vous êtes sûr? Alors, peut-être que j'ai mal mis mes lunettes ce matin. Alors, Bickert, je vois, il y a des poupées devant le monde. Les poupées sont jolies. Faites attention, poupées, il n'y a pas deux P, mais il y a deux E et un S. Priyanka, les enfants sont notre dernier espoir de protéger notre planète. Magnifiquement écrit et quelle belle idée, oui. Yulia, à l'automne, quelqu'un a fait une photo, féminin, une photo. Quelqu'un, souvenez-vous, Yulia, c'est avec apostrophe, Q-U, apostrophe, U-N. Donc, a fait une photo du globe avec des petits gars, hors de Kinder Surprise. Peut-être, peut-être qu'ils étaient dans des Kinder Surprise. Ashley, la création originale des Village People. Probablement Ashley. Et Ashley, je ne sais, pour votre information, le producteur, l'homme qui avait produit et créé le groupe des Village People, était un Français. J'ai oublié son nom. J'avais vu un documentaire sur lui. Mais voilà, c'est la petite histoire. Rory, c'est un petit monde. Faites attention, Rory, monde c'est masculin. Donc c'est un petit monde. Il y a un ballon comme la Terre et 6 poupées. Je pense qu'il représente l'unité, l'égalité et la fraternité. Ouais. Regardez, Rory, votre verbe représenter, il faut le conjuguer au pluriel. Il représente. Robin, les enfants du monde, nous dit Robin, très bien. Lorsi, il y a 6 enfants devant le monde, parfait. Ice Cubes, les jouets sont comme les personnes différentes du monde, c'est parfait. Nakazi, respecter tout le monde, comme nous habitons ici ensemble, parfaitement écrit. Finzark, il y a des différentes poupées qui ensemble... Ouais, regardez, qui, on va mettre le verbe qui sont... Hein, donc S-O-N-T, qui sont ensemble sans racisme. Oui, très bien. Alors regardez, il y a les différentes... Alors pour différentes, vous allez le mettre au féminin pluriel, parce que poupée, c'est féminin pluriel. Donc il y a des différentes poupées qui sont ensemble sans racisme. C'est parfait. Julia, avez-vous des lunettes, monsieur Vincent? Maintenant, je dois mettre des lunettes pour regarder les écrans. Les écrans... ont tué mes yeux, je crois. Mais ça va, pas tout le temps. I just called, le monde ne peut pas durer sans différence. Alors, très bien, bon, on continue. Ce ne sont pas vraiment des peluches, hein, ce sont des poupées. La plupart d'entre vous avaient trouvé le bon mot.
Vous allez vraiment me détester. Allez, c'est les chiffres et les nombres. Préparez-vous. Allez, on va commencer. Je ne vais lire qu'une seule fois celui-ci, et c'est 16. Ashley qui a fait les recherches, Jacques Morali, probablement, j'avais vu un documentaire, mais ça fait très longtemps. Si vous avez trouvé Jacques Morali, ça doit être lui, Ashley. Alors là, tout le monde me donne la bonne réponse, même Finzark, à l'envers, comme d'habitude, Finzark. Mais Finzark, c'est pas clair, hein. Des fois, c'est à l'envers, des fois, c'est pas clair. Mais là, c'est parfait, Finzark. Alors, Kittle ne comprend pas la question, c'est une dictée de nombres, Kittle. Mais c'est pas grave, vous pouvez maintenant écouter le nombre suivant. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que je vais le lire une seule fois. 321. Bah écoutez, là, franchement, félicitations. Voilà, et je l'avais fait pour Finzark parce que Finzark, ça fait 1, 2, 3. Bravo. Donc 321, tout le monde l'a trouvé. Donc ça, c'est bien. Félicitations pour ceux qui essayent. Bonjour, Sushmita. Alors, non, Isobel n'est pas. Mais elle est rapide. Elle est très rapide. Ça, c'est clair que... Attention, Ashley, vous avez trouvé là de la compétition très 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 sérieuse quand même. Allez, attention, le suivant. J'espère que vous êtes prêts. 5 428. Je répète, 5 428.
Alors, tout le monde a trouvé. C'est incroyable. Franchement, alors là, je suis très, très, très fier de vous. Et alors, je ne sais pas, oui, les théories d'Hashley. Assez compliqué, hein. Alors, 5428. Regardez, regardez. Je ne sais pas si c'est nécessaire de les écrire, mais bon, je peux les écrire. Donc c'était 5428. Voilà, c'était ce que je vous avais demandé. Attention, on continue, bien sûr. Onze mille six cent soixante-quinze. Je répète, 11 675. Alors, je regarde, 11 675. Je ne sais pas pourquoi Yulia avait mis un en moins, 11 675, c'était comme ça. Ensuite, ah oui, mais Finzak, oh non, Finzak, après c'est trop compliqué. Oh. C'est difficile de voir exactement comment faire. Alors attendez, Finzark 11 675. Ah oui, donc d'accord, Finzark donne les deux versions. Très bien. Donc effectivement, donc on avait 11 000, ensuite 675. Hein, c'est un petit peu compliqué, mais 11 675. Faites attention, Tanjida, vous donnez 11 665. C'est plutôt 11 675. Alors c'est bien. Qui t'a dit que c'est facile? Ben c'est bien. Ça c'est bien si c'est facile pour vous. Hein, on a tous nos petites difficultés. Si vous n'avez pas de problème avec les chiffres et les nombres, c'est très très bien pour vous, qui tourne. Alors attention, et ce sera le dernier. Je vais le lire trois fois. 897 773. Je répète. 897 773. Je répète. 897 773. Alors, là, je vois que c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Pour l'instant, je vois juste une bonne réponse. Je ne dirai pas qui c'est. Non, j'en vois deux bonnes réponses déjà. Alors, attendez, attendez. Trois bonnes réponses, ça y est. Bon, après, je vois beaucoup de petites têtes qui ont peur, qui pleurent, qui... Alors, on y va, attention. J'attends le message de Kittle, parce que Kittle nous disait c'était facile, mais Kittle n'a pas écrit, n'a rien... Ah si! Ouh! Eh bien je dis, bravo. Alors, regardez, je vais vous l'écrire. Je vais faire un espace, hein. Normalement, on ne fait pas d'espace, mais...
Je fais juste un espace pour que ce soit clair. Donc nous avons d'abord 897 000 et ensuite 773. Donc 897 773. Voilà, c'était un petit peu compliqué, je pense que c'était une bonne chose pour finir cet exercice. Et puis c'est pas la peine de se stresser trop. On continuera bien sûr, on en fera un petit peu à chaque fois. Alors attendez, voilà. Allez hop, donnez-moi une petite description, une phrase pour décrire la photo, s'il vous plaît. Et je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui est dans notre groupe et qui boit du thé, mais pas du café. Alors, c'est Kittle qui commence avec cette petite phrase bien sympathique. Rien de mieux, faites attention Kittle, rien de mieux que du thé. Ouais, thé, vous savez, en français, on écrit T-H-E, accent aigu. Ensuite, Isobel, il y a des... Faites attention, en français, Isobel, c'est citron. Hein, donc, il y a des citrons et des citrons verts dans un bol. Et en arrière, il y a un vase de fleurs roses et jaunes. Jaune, J-A-U-N-E-S. Si vous dites jeune, c'est le contraire de vieux. Mais peut-être qu'elles sont jeunes. Tenzin, un beau matin avec un thé naturel. Naturel, vous allez le mettre après votre mot. D'accord, naturel, E-L. Rory qui nous dit les citrons, un verre de thé et la maman de... Alors attendez, qu'est-ce que c'est Rory? La maman de verre de thé? Je suis perdu Rory, il faudra m'expliquer. La maman, où est la maman Rory? Je ne sais pas où est la maman. Priyanka, on doit manger le premier repas du jour comme un roi, d'accord? Faites attention Priyanka, on doit... Vous allez conjuguer doigt, D-O-I-T, d'accord? Joseph, c'est un petit déjeuner français. Passant sur la table, il y a des fruits, il faut mettre les articles, passant, des fruits, des fleurs dans le vase. Vase, c'est masculin, hein, le vase. Robin, l'heure du thé, c'est parfait Robin. Michel, c'est l'heure du thé à 4h de l'après-midi. Très bien. Nakazi, il y a beaucoup de citrons sur la table. Effectivement. Alors, je regarde ensuite. Ning, je ne bois pas de thé, des jus de fruits. D'accord. Annabelle, le thé de l'après-midi. Irène, il y a un vase de fleurs et un bol B-O-L de citron jaune et vert aussi sur la table. Très bien. Michel Rémy, c'est une photo du petit déjeuner du citron. Ouais, pas besoin de mettre... Oh, avec du citron peut-être. Akanksha, un goûter pour un.
Tanjida nous dit une tasse avec du thé, un citron et quelques citrons sont verts et jaunes. Attention Tanjida, jaune, J-A-U-N, et on va mettre le pluriel, S. Bickert qui nous dit cet après-midi, le temps est du thé. T-E, accent aigu, il y a des tasses, des citrons, bon appétit. Ice Cubes, je veux un chaudron comme un citron, avec des autres choses comme des citrons sur la table. Hein? Un Instagram, image d'une femme. Ah, vous pensez que c'est une photo de femme? Je ne sais pas. Alors, Julia, cette image est un peu très citronnée. Ouais, vous mettez le féminin, citronné, parce que c'est féminin, image. Je ne peux pas imaginer Ashley en buvant un thé de cette tasse qui est assez fragile. Oh, ben on ne sait pas, Ashley. Cela me rappelle, Ashley nous dit, cela me rappelle le temps où j'ai acheté 3 petits citrons verts en Nouvelle-Zélande pour 34 $. Waouh! Il ne faut pas acheter les citrons. Alors, Priyanka, la famille qui mange ensemble reste ensemble. Ça, c'est magnifique. Sushmita, il y a des citrons avec un S, Sushmita, sur la table. Je vais boire le jus, J-U-S, de citron aujourd'hui. Très bien. Meron, dans la tasse de thé avec citron, je pense que c'est très délicieux. Meron, délicieux, D-E, accent aigu, L-I. C-I-E-U-X. B. Bakri. Je prends mon petit déjeuner tranquillement, très bien. I just called. Il y a une table. Sur la table, il y a une théière, des citrons, un vase de fleurs. Très bien. Lorsi, une théière. D'accord, pas de problème. Avec des citrons imprimés en porcelaine, Lorsi. Alors, Finzark, certains fantômes boivent du thé au citron dans l'après-midi. Ils se reposent après avoir fini de travailler. Avoir fini, c'est ce qu'on appelle un infinitif passé, Finzark. On va faire ça plus tard, mais on va les faire. Sin situ, il y a des thés au citron dans les verres. On appelle ça des tasses plutôt. Hein. On continue avec un petit exercice et on finira, je pense, sur celui-ci. Alors, c'est les pronoms démonstratifs avec si et la. Alors, attention, on va commencer avec le premier. Comment est-ce que vous pourriez traduire cette chose-là en utilisant, bien sûr, un pronom démonstratif? Alors, I am Hunted qui nous dit bonjour, 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 participez au cours, bienvenue, c'est presque la fin, mais c'est pas grave. Julia qui dit qu'est-ce que c'est le travail des fantômes? Eh bien, il y a un verbe, et le verbe c'est hanter, H-A-N-T-E-R, il hante les fantômes ou les châteaux. Alors, regardons. Ah, Finzak dit « ils effraient les gens », c'est possible aussi, hein, c'est un autre verbe, c'est le verbe « effrayer ». Alors, j'étais, voilà, je pense que tout le monde me l'avait donné ici, c'était « celui-ci ». Donc ici, c'est la forme masculine « celui-ci ». Et bien sûr, logiquement, vous savez que je vais vous demander l'autre version. Et c'est Akanksha qui est la première et qui nous donne effectivement, alors la bonne version, idéalement, on devrait mettre un accent sur le A. Alors bien sûr, c'est toujours un problème si vous n'avez pas les accents sur votre clavier.
Mais logiquement, on devrait mettre l'accent. Et n'oubliez pas le trait d'union entre les deux. Hein. Celui, trait d'union, là. D'accord? Donc celui-là. Je regarde tranquillement vos réponses. Alors, Finzark, ouais, Finzark, si vous écrivez à l'envers, ça va être difficile après. Hein. Alors, Kittle, c'est. Ah non, Kittle, faites attention, c'est pas ceci, hein, c'est vraiment celui. Ici, c'est le pronom démonstratif. Hein. Celui-là. Rory, c'est parfait. C'est bien. Annabelle, c'est bien aussi. Donc, je continue de regarder. Mais en même temps, regardez. Voilà le suivant. Et vous avez une petite minute. Ah, Ashley doit nous quitter. C'est la fin de sa pause. Bon, bah écoutez, Ashley, au travail, à plus. Dans le bus. Voilà, donc c'est clair pour tout le monde, hein, on essaye de procéder de façon logique. Donc là, on est sur le féminin c'est celle. Idéalement, s'il vous plaît, le petit trait d'union entre celle et si, d'accord. Attention, Méron, c'est celle-ci, d'accord. Vous avez anticipé, regardez, puisque maintenant, logiquement, je voudrais la deuxième forme. Alors, I am hunted, demande, vous parlez anglais? Yes, I speak English, but the idea of this live series is to only speak in French. So we're just doing the whole sessions in French. Donc là, c'est parfait. Alors, comme tout à l'heure, hein, idéalement avec un accent et idéalement avec le trait d'union entre les deux, celle-là. Regardons maintenant, et bien regardez, voilà ça. Faites attention, Tanjida Ahmed, vous dites 7-ci ou 7-là, non. 7, ce sont des adjectifs ici. Nous, on veut des pronoms. Hein. Ici, on veut vraiment des pronoms. Et donc là, on avait déjà le masculin, celui. On avait le féminin, celle. Et là, logiquement, on attaque avec le pluriel, masculin, pluriel. Ceux-ci. D'accord. Et regardez maintenant. Bien sûr, je voudrais l'autre version. Et on va essayer d'être logique. Alors, Julia demande, est-ce que vous avez des phrases pratiques pour ces choses-là? Oui, je dois en avoir, mais imaginez, vous arrivez dans un magasin et vous demandez des lunettes ou des lentilles de contact, et là, la personne va vous proposer, va vous dire, est-ce que vous voulez celle-ci ou celle-là? Hein? Donc ça, c'est la forme de base. L'idée, c'est des pronoms, donc
vous avez mentionné précédemment ce que vous désirez avoir. Alors, regardons la suite. Donc là, on était sur le masculin pluriel et avec le « la », trait d'union, hein, idéalement. Mais bon, c'est parfait, l'accent aussi, c'était très bien. On va finir avec, donc bien sûr, la forme féminine. Donc, je vous attends pour cette forme-là. Donc la logique est claire maintenant, je pense que vous avez bien compris. Donc nous sommes sur... Alors attendez, parce que je ne sais pas pourquoi YouTube bloque certaines choses, notamment celle-ci. C'est vraiment mystérieux. Alors regardons maintenant la dernière forme. Voilà, et donc ça c'était juste, hein, juste pour réviser, donc nous sommes d'accord que nous avons vu celui-ci, celui-là, masculin singulier, celle-ci, celle-là, féminin singulier, le pluriel, masculin pluriel, ceux-ci, ceux-là, et le féminin pluriel, celle-ci, celle-là, avec le S, avec le petit trait d'union idéalement, et avec l'accent sur le A. Voilà, et logiquement, eh bien écoutez, c'est parfait. Alors, regardez. N'oublions pas que cette semaine, on vient de finir le premier cours. À 4h, on a le cours Zoom, et à 5h, on aura la deuxième partie de ce cours, et on fera d'autres exercices. Écoutez, c'était très sympathique. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne nuit, bon après-midi. Et rendez-vous tout à l'heure, ça fera plaisir. Allez, au revoir. Thank you.